français. Mm-hmm. Hein? Oui. Non, mais attends d'abord. Faut que, amène-moi le parfum. Il faut que les gens qui me regardent, mes téléspectateurs, ils connaissent que je sens très bon. Ils vont écouter mon odeur. Voilà. Attends avant de lancer, pardon. Hein? C'est bon, c'est bon. Oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le journal du Grand Nord. C'est Maman Grand Nord, alias La Bonnière. Très bien. Aujourd'hui, je reçois beaucoup d'appels. Des gens m'appellent depuis Maman Grand Nord. Fais-moi un prêt de 2000. Maman Grand Nord, fais-moi. Vous ne me demandez même pas les petits prêts. Hein? Maman Grand Nord, je veux 300 000. Je trouve ça goût. Vous ne savez pas qu'on est en janvier. Hein? Oh, Maman Grand Nord, je veux ceci. Maman Grand Nord, je veux cela. Je suis la Banque mondiale. Pourquoi? Mettez à malheur. Quand vous avez vos problèmes, réglez ça. Janvier, c'est un mois compliqué. Ça veut dire que depuis décembre, il faut faire d'abord les économies. Moi, ce qui m'a m'entêté, moi, Maman Grand Nord, je survis en ce moment. Surtout que je ne vis plus, je survis. Oh, ouais. C'est en janvier qu'on voit les vrais avares. Si ton mari te donnait, attention, attends le mois de janvier. C'est là où on voit qui est qui. Quand janvier arrive, l'argent, c'est compliqué. C'est compliqué pour trouver. Donc, il faut prendre des précautions. Même ceux qui sont venus avec leur malchance depuis 2019, vous arrivez encore en 2020 avec ça. Il y en a qu'on a plaqué. Oh ouais, il y a même les personnes qui arrivent depuis 2019, elles ont les malchances. Il y en a qui ont passé les fêtes, ils ont très mal passé leurs fêtes. Attends, ça me l'a plus de vérité. Je sais de quoi je parle en ce moment. Il y en a qu'on a plaqué juste avant les fêtes. Donc, vous arrivez malheureux, Maman Grand Nord, on m'a plaqué, Maman Grand Nord, on m'a fait comme ça. Je ne suis pas un centre social. Le seul conseil, ce que je peux vous donner, c'est qu'il faut faire attention avant de partir. C'est quoi, man? Mais normalement, ça aussi, c'est un phénomène. C'est un gros phénomène. Vous plaquez une fille qui compte sur toi avant les fêtes et qui est. C'est un phénomène. Moi, Maman Grand Nord, alias La Bonnière. Normalement, je vais aller voir tous les présidents d'Afrique, tous les présidents du monde. On doit lutter contre ça. Trouver un jour spécial pour la lutte contre le plaquage avant les fêtes. On sait qu'à Yemabwana, quelqu'un pense à toi, quelqu'un compte sur toi. Toi, tu viens l'abandonner à quelques heures. Ah, et qui est non. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une forme de violence morale. Vous ne savez pas qu'après ça, quelqu'un peut se suicider. Il y en a qui veulent se suicider, comme par exemple, j'ai attrapé une fille au pont d'Awenge. Apparemment, c'est le pont là où tout le monde veut maintenant se suicider en ce moment. Je l'ai attrapé, elle voulait sauter, Maman Grand Nord, m'a fait comme ça. Elle est là sur le plateau. Maintenant, hein, ouais. Mesdames et messieurs, elle s'appelle Darren Cheryl, spécialiste en sortisation avec les hommes mariés. Elle est là, elle voulait se suicider. Ambolo, bonsoir. Bonsoir, Maman Grand Nord. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu voulais te suicider sur le pont d'Awenge, mon bébé. Maman Grand Nord, c'est parce que j'ai mon gars, quand je l'ai rencontré, on était bien, il m'a mené dans tous les restaurants du coin. Il m'a mis dans une maison qu'il allait payer les locations, puisque c'est un homme marié, tu vois, on ne pouvait pas aller chez lui, sa femme et tout. Donc lui, il m'appelait tout le temps et tout, il achetait les maisons à mes petites soeurs. Et qui est? Comme tu vois là, Maman Grand Nord, mais quand la période des fêtes a commencé là, vraiment, quand il appelle, à partir du 20 décembre, il appelle, son téléphone ne passe plus. Arrête ça! Je te dis la vérité, Maman. Non, mais les hommes sont mauvais! Les hommes sont trop mauvais, Maman Grand Nord. Il a appelé là, depuis le 20, il fait qu'il a payé. Depuis le 20 décembre passé, là, il appelle, il ne décroche pas le téléphone. Et qui est donc? Il ne lui demande pas grand chose, Maman. Non, et tu lui as demandé quoi? Mais forcément, il y a eu une raison peut-être que tu as. Je lui ai demandé une petite période de 300 599 francs, Maman Grand Nord. Quand il appelle, il ne prend pas le téléphone. Le prix d'une perruque, hein? Oui, Maman Grand Nord. Il y a les 300 000 et quelques. Il y a un sac à main Louis Vuitton là. C'était 500 000. Oui, 500 000. On a dit le dernier prix. C'était ça. Quand j'appelle, ça sonne, il ne prend pas. Sinon, ça ne sonne même pas. Donc, il m'a mis dans les problèmes, Maman Grand Nord. Là, je suis dans les problèmes. Il ne peut plus payer la maison. Ma maman, elle ne mange rien et tout. Ah, non, les femmes aussi. Qui est toi aussi? Tu demandes ça. Il est milliardaire. C'est même qui est ton mari là? C'est un homme mari là comme ça. Il s'appelle Biban. Biban. Biban qui? Il est comment? Biban, il a le gros ventre, il aime trop boire le vin comme ça. Il est un peu clair? Oui, il est un peu clair. Avec la chauve? Oui, il a la chauve. Il boit beaucoup le vin, c'est lui. Il m'avait dit que non, il allait me mettre dans sa maison parce qu'il a sa femme à la maison, elle dérange trop, qu'elle est même vilaine. Elle n'assure rien à la maison, rien.
Ah bon? Oui, j'avais déjà raconté à toutes mes copines que non, je vais aller me marier avec lui parce qu'il a bien l'argent, maman grande. Il a l'argent, hein? Oui. Donc il dépense souvent sur toi. Oui, il m'amène dans les grands restaurants, pas dormir les week-ends dans les hôtels et tout et tout. Ah, enlève d'abord les lunettes, mon bébé. Il faut qu'on te voit bien. Oui. Oh, oh. Raconte, il te dit que sa femme est comment, hein? Que sa femme est vilaine, elle se lave même pas bien et tout. Ah bon? Oui, quand je ne connais même pas préparé, il m'a dit que moi, il fait la bonne nourriture, maman grande. Mais en descendant, là, quand il appelle maintenant, le téléphone sonne, il ne prend pas. Et toi-même, tu penses quoi de sa femme? Bon, la manière que lui, il parlait d'elle, là, tu vois, c'est une petite sale femme. Parce que lui-même, il m'a trop parlé d'elle, elle ne sait pas faire la cuisine, elle est sale, elle ne se brosse pas les dents. Comme elle vieillit déjà, là, elle n'a su pas bien, maman. Est-ce pas le temps? Dis donc! Sur mon plateau! Sors! Zé! C'est de moi que tu parles comme ça, donc depuis que tu parles là, c'est de moi, maman Grano, donc tu parles de mon biban. Intéressant, mesdames et messieurs, ne fermez pas les portes, laissez ouvert, on va nous entendre jusqu'à la présidence. Elle a 14 ans, mais je suis désolé. Viens ici! Viens ici! Propos!